cadeau qu'on vient de vous envoyer. J'ai acheté beaucoup de choses. Parce que aussi mon donateur qui vient d'envoyer le lion. Mais est-ce que il envoie ça okay. Parce que okay. Il ressent des sentiments pour quelqu'un. Non. Attendez, Axel là, c'est l'homme aussi, hein. Axel là, c'est l'homme aussi, hein. Antala, si c'est comme ça, moi aussi je vais acheter des cadeaux. Vous êtes prêts? Non, Tema. Tata Lolo Beauté. Je ne suis pas en contact avec la personne qui fait des cadeaux. Là, je viens d'acheter un produit. Mais les enfants là sont dangereux, hein. Mettez le mercure à ma future belle tante. Mettez ouais, du mais, mercure ouais, à ma future belle tante. Ouais, mais, Mettez du mercure, s'il vous plaît. Attends, beauté, vous savez ce que je vous envoie. Antala, okay, mais achète un cadeau pas, aussi, non. Antala, achète un cadeau. Moi, je viens d'envoyer Léo. Moi, je ne sais pas si je vais la beauté. Mes gens sont en train de faire le travail déjà, comme tu peux constater. J'ai les gens, moi j'ai un cœur. Ce que moi j'ai, c'est le cœur. Je donne mon bon cœur à ma tata, le beauté. Et les gens sont en train d'envoyer les cadeaux. C'est pas ça qu'elle va manger. C'est pas qu'on va manger. Je m'explique assez. Les gars, je te commande des tout. Je te commande des crèmes pour ma tata, le beauté. Merci encore, Dieu m'a fait. Merci encore. Mettez du mercure à Tata Lolo Beauté. À partir de demain, toute la journée de demain, 50% de réduction sur les gammes de Lolo Beauté. Oh, 50% de réduction. Donc écrivez-moi rapidement cette nuit jusqu'à demain, vous commandez. C'est le 00337-6984-1227. Ça là, c'est quoi? Je suis Terminator 7. Yeah. Ma chérie, les enfants sont en train de me blesser la nuit là. Mais qui dit ma nièce peut marier deux hommes? Est-ce que qui lui peut prendre deux hommes? Moi je pense que je pense que je vais vous laisser. Je pense que je vais vous laisser là. Ok, Tema. Mais tu as été perspicace ce soir. Avant de partir, je vous laisse un petit cadeau là pour vous. Donc, disons, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les enfants là sont dangereux. Tata le beauté. Bon, ok. Tata le beauté. Oui. Moi, je vais vous dire que oui. Vraiment, si vous me permettez, moi, je vais vous dire vraiment, respectez votre nièce Kimi parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Et c'est une fille, en fait, qui est très réfléchie. Soyez très fière d'elle. Soyez très fier de votre nièce. Je suis fier. Je suis fier de ma nièce. Je la taquine beaucoup. Oui, oui. Je la taquine beaucoup, mais elle sait que sa tata est très fière d'elle. Franchement. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Edith, c'est pas le fait qu'elle rit qui veut dire qu'elle est bête. Elle rit beaucoup, mais elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Très bien, tata. Oui. Dites aussi au général. Merci. On va prendre. Merci. On va prendre maintenant des téléspectateurs qui veulent parler. D'accord. Kimi et puis Axel, c'est pas aujourd'hui qu'on est venu dans le live. Aujourd'hui, on a entendu Tema et puis Antala. Un autre jour, je vais annoncer. Ça sera Axel. Et un prochain jour, on va clore maintenant avec Kimi. Là, maintenant, c'est la tante qui va s'exprimer avec sa nièce. Direct, question directe, réponse franche. D'accord. Antala, c'est bon? D'accord, tata. Donc, je vais vous laisser sur ces paroles que vous êtes vraiment très jolie. Prenez toujours soin de vous, de cette magnifique beauté. Et vous êtes une femme très souriante. J'aime beaucoup votre sourire. Ciao, tata. Merci. Ciao. Donc, on va prendre d'autres personnes. Ceux qui veulent parler dans ce live, franchement, l'affaire devient très, 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 très grave. Notamment, aïe, c'est grave. Axel aussi, c'est l'homme, hein? Bonsoir. Si c'est quelqu'un, hein? Bonsoir, madame. Là, ça, c'est un autre jour. Adam, on peut faire ça. Lolo Beauté. Oui.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct là. Je suis trop contente. Bonsoir. Pour la fin, Kimi et puis Axel et Antana, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, est-ce qu'il y a un choix à faire? C'est Axel ou rien? Ah bon? Bah oui. Pourquoi Axel? Bah, parce que Axel, il a su se positionner. Il a su se positionner. C'est vrai qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais Axel, je pense qu'il sera bien pour Kimi. Et Kimi, je pense qu'elle-même aussi, quand on suit bien leur live, Kimi est... Bon, je pense, je ne vais pas affirmer qu'elle est intéressée, mais je pense qu'Axel peut être mieux pour elle. Vraiment, Axel sera mieux pour elle. Parce que déjà, Axel, c'est un jeune qui se débrouille pas mal. Je n'ai pas dit que les autres aussi ne se débrouillent pas. Mais c'est un jeune qui se débrouille pas mal et qui a la tête sur les épaules. Mettez les cœurs, atteignons les 2 millions de voilà, cœurs. Et puis abonnez-vous. Il a la tête sur les épaules. C'est un gars respectueux. Oui. Il a créé son concept. Et puis ça marche. Donc, je pense que ça peut aller. Par rapport aux deux autres. Après, Théma, c'est l'ami d'Axel, je pense. Donc, c'est pas trop. C'est Antala. Là. Lui, il cherche à se positionner. Il vient jouer sur la, dans la cour des grands. Mais moi, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui parce qu'il est encore trop jeune. Bonsoir, ma tata jolie. Merci beaucoup pour l'intervention. Ouais. On va prendre une autre personne qui est montée. Oui. Il dit. Axel est mieux. Hein. Oui. L'autre là, c'est un beau parleur. Il parle beaucoup. Antala là. Axel est mieux. Maman, papato. Je suis on allé m'a spécial. Attends, Lolo, tu n'as pas vu ce qu'il y a fait dans tes commentaires. Ceux qui ne sont pas bien éduqués, je les règle pour toi. Tu n'as pas vu? Oui. Ah oui. Je dis, c'est ton papato. Je sais ta papato. C'est moi qui me promène pour c'est chercher ça. Les affaires que je viens te donner. Je sais aller là-bas. Les gens sont en train de dire là-bas. Que tata Lolo est en train de. Que Kimi, tata Lolo. Kimi aussi est là. Je suis fâchée. Tu te fâches pas, c'est ta tata. Tu me connais. Je sais aller parler là-bas encore. Oui. Ou bien? Eh, André Axel est venu encore. Il est en train de te donner des cadeaux. Ça, c'est cadeau qui est cher. Tata Lolo. En tout cas. Il y a l'amour. Axel aussi, l'air. C'est l'homme, hein? Ah, Axel, c'est l'homme. Mais là, j'ai dit World of Beat, hein? Je ne sais pas tout. Axel, c'est l'homme. En talent, là, c'est un beau parleur. Il ne va rien faire pour la famille Makoso. Axel est mieux. Oui. C'est moi, la Pato, bon. J'ai dit ça. On va prendre une autre personne. On va prendre encore une autre personne. D'accord. Réduction de 50% des produits cosmétiques Lolo Beauté demain. Donc, vous pouvez écrire en WhatsApp au 00337-69-84-12-27 pour les produits Lolo Beauté. 50% de réduction demain. Donc, vous commencez à écrire ce soir. Demain, vous faites votre achat, c'est 50% de réduction. Allô? Allô? Atteignons les 2 millions, atteignons les 2 millions de cœurs, atteignons les 2 millions tata de cœurs, et puis je vais voir les cadeaux. Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Beauté. Nous, c'est Axel Méry. Bonsoir. Ouais. Moi, je vais intervenir dans ce sens. Axel, lui, ne va pas afficher son amour en live pour venir exprimer son cœur en live. Lui, Antalata, lui, il est seulement là en train de jouer au beau gosse. Il veut seulement crier, il veut se faire du buzz et tout. Il veut des likes et des abonnés. Moi, je trouve que pour ta petite Kimi Chou, vraiment, Axel, il a 100% gagnant là-bas. Il a toutes les qualités pour cette femme. Eux deux, ils sont vraiment, comment je vais dire, ils sont beaux, mignons, intelligents et ils font du business. Donc, c'est un peu ça. Hein? Ouais, ouais.
Donc, c'est ce que je pouvais intervenir de ma part. Donc, Axel Méry, courage et force à toi. J'ai les adeptes maintenant. Ok. On va prendre une autre personne. Tout le monde, je vois Axel. Allô? Elle a baissé. On peut pas t'envoyer les pièces. Elle a baissé. Est-ce que tu m'as vu en live? Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, Tata. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va avec les cadeaux, je fais bien. Okay. Faites monter les cadeaux, là. Moi, j'appelle juste pour dire, je défends Astep parce qu'il est gentil avec Kimi, il est respectueux et tout. Depuis, on suit les lives. En tout cas, il est vraiment gentil. L'autre petit, il parle pour rigoler, pour juste chercher des abonnés, quoi. Astel ou rien. C'est le beau de la Côte d'Ivoire. Et... Donc, tata, doucement avec lui. Antala. Antala, c'est un plaisantin. Là, on laisse tomber. Et... Les Béninois ou rien. Pourtant, je... Le Bénin ou rien. Le choix est déjà fait. La Côte d'Ivoire, Bénin. Non, le choix n'est pas encore fait. Le choix n'est pas encore fait. J'ai eu Antala. Tata. Il va rester Axel. Nous, on l'a déjà suivi. Axel, c'est en dernière position. Antala, on le suit depuis longtemps. Quand il venait parler à Kimi, il avait 400 abonnés. Quand il a commencé à parler à Kimi, il a eu 18 000 abonnés. Axel, il n'est pas là pour les abonnés. Il a déjà ses abonnés. Donc, Antala, il fait ça pour avoir des abonnés, pour juste rigoler. Sinon, c'est un enfant. Il n'est pas sérieux. Il rigole, quoi. C'est Axel ou rien. Ok, merci. Au revoir, tata. Bisous. Vous êtes trop belle. Au revoir, bisous. Merci. Bonsoir, tata Lolo. Oui, bonsoir, mon bébé. Comment vous allez? Mais attendez, vous m'appelez tata, donc je suis vieille. Non, c'est le respect. J'ai encore les amortisseurs en place par rapport à non, vous. Non, vous même vous dites les tata, là. Non. Si on voit votre balcon, le balcon est déjà inachevé. Non, c'est le respect. Vous êtes trop belle. C'est le respect. Merci. Moi, personnellement, sinon, ne faites pas suivre mes dragueurs. Non, moi, non. Personnellement, oui. C'est assez parce qu'il ne veut même pas déclarer ses sentiments sur les réseaux-là. C'est ce côté qui me plaît, sincèrement. Parce que c'est pas de... Mais lui, il veut déclarer ça comment? Non, c'est pas venir sur les réseaux dire que je veux marier, nanani, nanana. Non, parce que les réseaux-là, les gens-là prennent toutes les choses au premier degré. Donc, dans Inbox-là, oui. Ça, c'est parfait. Donc, Antala, continue ses comédies. Merci. Maintenant, comment vous trouvez ma nièce? Ma nièce, comment vous trouvez ma nièce? Vous n'avez pas entendu elle, le elle nom, non? Le Kim. Quand on dit Kim, là, c'est quoi? Kim Kardashian de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Ouais. Oui. Le nom, non, c'est ça. Le nom même pas avec... Notre Kaeli à nous. Notre ouais. Kaeli à nous. Oui. Vu, non? Oui. Ah. Kim Makuso, c'est le numéro 10. Ils ont oui, pris, ils ont celle, qui a, celle qui gouverne le TikTok. Ça fait trois jours comme c'est ça. Ça. Si il est 19h comme ça, si je ne vois pas Kim en live comme ça, ça me touche. Je cherche. Je dis, à faire ces novellas, là, vont nous tous tuer ici. Hein. Ils sont trop beaux ensemble. Merci de donner de la force à ma nièce. Merci, c'est mon bébé. On va prendre d'autres personnes encore et voir ce que ça donne. Allô, tata, bonsoir. Allô. Mais ma chérie, un peu de la force dans le gosier. Bonsoir, tata. Allô. Oui, bonsoir, mon bébé. J'aimerais vous dire que vous êtes belle ce soir. Merci. En fait, moi, j'aimerais commenter dessus. En fait, Antala est juste là pour le buzz et tout.
Mais je trouve que Axel est beaucoup plus sérieux et sincère. De plus, les deux sont dans un monde affairiste et tout. Ils savent comment chercher leur vie. Par contre,